Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours si fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Nous qui parlons cette belle langue de Molière à temps plein, et même ceux qui veulent l'apprendre, restez avec nous, chers amis. C'est ce dimanche qui continue son petit bonhomme de chemin vers sa belle mort annoncée à 23h59, 5 mai 2019, avec une petite découverte archéologique apparemment, mais... Encore là, c'est incroyable comment a... c'est difficile de s'y retrouver, vous le savez. Vous, voyez, vous voyagez beaucoup sur le net. Si vous êtes là, c'est parce que vous, vous vous promenez sur les plateformes, vous faites des recherches, vous êtes curieux. Puis quand tu es curieux, tu arrives, c'est comme un, hein, une tanière de lapin, tu rentres là-dedans, puis ça ne finit plus. Tu ne sais plus où se trouve la vérité, où se trouvent les hypothèses, où se trouve l'exagération. C'est très difficile de s'y retrouver. L'histoire officielle, tout le monde le sait, encore là, c'est très, très questionnable. Qui a décidé que c'était là? Qui a décidé que c'était final, cette histoire-là? Et qui a décidé que tu ne pouvais plus la réécrire, alors que il n'y a rien qui est découvert, il n'y a rien qui a été vraiment exploré, mais on a décidé que c'était ça. C'est quand même assez étonnant. Qui a décidé que c'était ça, alors que peut-être que Comment tu peux savoir que tu peux affirmer une chose dans un livre d'histoire, puis peu importe le pays? Comment tu peux écrire quelque chose et être certain que c'est la vérité, puis de la propager à l'école, sans savoir ce que tu pourrais redécouvrir dans une semaine, un mois, deux mois, cinq ans, dix ans? Il me semble que ce serait important quand on donne des informations de tout relativiser. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, vous le savez. On est dans, toujours dans la polarisation, la radicalisation depuis toujours. Donc là, on vient de faire une découverte apparemment sur ces fameuses euh, hein, plateaux du Gizé, une, euh, une, ancienne tombe, une ancienne tombe qui daterait de 4500 ans en Égypte. Mais déjà là, ce fameux plateau, ce fameux, ces fameuses pyramides du plateau et le Sphinx, il y a déjà des gens qui l'ont daté de plus de 25, d'autres 100 000 et 200 000 ans. C'est du monde sérieux. Donc ça s'arrête tout. Comprenez-vous? C'est pas facile de s'y retrouver. As tel, comme Tesla. Je vais revenir là-dessus. Parce que c'est important, Tesla. Quelqu'un d'important qui est mort dans la misère hein, aux États-Unis. Qui aurait fait des découvertes incroyables sur l'énergie libre. Mais c'est quoi la vérité là-dessus? C'est pas facile de s'y retrouver. Et tu peux facilement comprendre que oui, il a, des, il a fait des découvertes. Puis oui, on ne voulait pas que ce soit libre et gratuit. Puis c'est des gens mal intentionnés qui ont mis la main là-dessus et qui ont tout éliminé. Comprenez-vous Comme ça se peut que ce soit du délire total. Elle est où la vérité Dans toutes ces inventions qui sont apparues au fil de l'histoire de l'humanité, est-ce qu'on sort d'une caverne Est-ce qu'on descend du singe Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment une évolution comme celle de Darwin qu'on a vécue Ou si on est des gens qui arrivent d'ailleurs avec déjà une élite qui est pleine de pouvoir et de bagages, qui vient euh, avec ses troupeaux sur cette planète-là parce que c'est vivable dessus. Puis on a quitté un environnement non vivable où on a juste colonisé. Si on était capable, les Français, de coloniser l'Amérique coloniser du Nord, qu'est-ce ben, qui nous dit qu il n'y a pas des gens d'ailleurs qui sont venus coloniser la terre. Donc, tu sais, quand tu commences à ouvrir une porte, mon chum, ça t'amène des fois sur d'autres portes. Puis tu une porte, c'est juste des portes qu'il y a là. Derrière la porte, il y a juste des portes. Donc, je vous transmets cette nouvelle-là, mais en même temps, je voulais vous transmettre ce que je pense de tout ça. Puis, on va aller explorer beaucoup, beaucoup de choses ensemble. C'est le début d'un temps nouveau. Je pense que c'est le temps qu'on comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, qu'on se déradicalise, qu'on se dépolarise pour explorer des choses plus intéressantes que la radicalisation des populations. Ça va être pas mal plus édifiant. Puis on peut faire ça en groupe, multiculturellement en plus, puis dans l'harmonie. Une ancienne tombe datant de 4500 ans, découverte en Égypte. Mais comme je vous le disais, si tu t'en vas faire des recherches, tu trouves des liens très sérieux qui te disent que le fameux plateau du Gizé, de Gizé, ben c'est pas mal plus vieux que ça. T'en as même qui disent que dans aucun, aucun, aucun n'écrit au récit égyptien, il est question des Juifs et d'Israël et de Moïse. Donc, tu sais, ça passe, c'est vraiment pas facile. Les archéologues ont découvert un ancien cimetière près des célèbres pyramides d'Égypte. Sur leur plateau de Gizeh près du Caire, annoncé le ministère des Antiquités. Des tombes en bois peintes de différentes couleurs et des statues en calcaire figuraient parmi les trésors découverts dans le cimetière, vieux de 4500 ans. Vous savez qu'on est encore en train de se questionner, puis les plus grands architectes et ingénieurs sur comment on a construit ces fameuses pyramides-là. Il n'y a rien qui est élucidé là-dedans, là. Je pensais que c'était une gang de, de misérables esclaves qui ont fait ça. Wow. Donc le plus ancien artefact découvert est une tombe familiale en calcaire de la 5e dynastie environ 2500 ans avant Jésus-Christ, ont annoncé les autorités. Mais peut-être que l'objet le plus précieux est une statue en calcaire du propriétaire de la tombe, de sa femme et de son fils. Le cimetière appartenait à Benyuka, détenteur de sept titres, dont ceux de prêtre et juge. Et Anoui, chef de l'État et purificateur du pharaon, Cafre a indiqué le ministère. Ashra, euh, Ashraf Moï, hein, directeur général du plateau de Gizeh, que beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Égypte connaissent, a déclaré que le cimetière avait été réutilisé à la fin de la période, environ 700 et 300 ans avant Jésus-Christ. Les fonctionnaires ont également trouvé des cercueils en bois peints avec des hiéroglyphes datant de la fin de la période. L'Égypte a tenté de promouvoir des sites archéologiques dans l'espoir de stimuler le tourisme qui a subi un revers majeur depuis la révolution de 2011, naturellement. Donc, je vous laisserai une vidéo de... de ça, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Mais beaucoup, beaucoup de choses qu'on va explorer ensemble. Puis ça va être fascinant parce qu'il y a trop, trop de questions qui sont encore posées. Comment on peut déterminer que c'est la fin d'une histoire, paf, bah, on ne veut plus jamais y revenir? On a trouvé que c'était ça la vérité officielle. Wow! On va l'explorer explorer toutes ces vérités officielles. Ça va être intéressant. Restez avec moi.